tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire une petite présentation de mon original nude de chez Philofax en format personnel. Donc j'ai pu acheter d'occasion sur un groupe Facebook dédié au planeur addict. Donc ce planeur est en cuir, il est vraiment très très joli et un peu esprit verni. Donc j'ai commencé à le customiser donc dans des teintes de noir et blanc et de rose poudré et de vert d'eau avec des petites touches par-ci par-là d'argenté pour aller avec les anneaux. Donc c'est un style un peu fashion bohème. Donc tout est fait avec mes petites mimines à moi. Hop. Je vous mets bien. Donc voici donc le premier intercalaire. Donc ce planeur là va être dédié vraiment à des pages de décoration. Vraiment pour faire de jolies décos. Donc juste pour le plaisir. Donc voici un second intercalaire. Donc toujours dans les mêmes teintes et dans le même esprit. J'ai réalisé des petits paperclips. Donc là, petit paperclip dans le style Miss Étoile, si vous connaissez, j'adore cette marque. Hop. Voici un autre intercalaire. Avec des petites bouteilles de parfum, des nœuds, des fleurs, toujours girly, hein, chez moi c'est toujours comme ça on va dire. Et un autre intercalaire un peu fashion avec une jolie illustration que j'ai imprimée sur du papier autocollant, comme ça je découpe et je colle. Donc voici pour l'intérieur donc de mon Philofax Original Nude. Donc comme papier, j'ai utilisé des papiers de la marque Studio Calico, Pink Paisley et Crête Paper. Les petits stickers, je les ai faits avec des illustrations trouvées sur le site Pinterest. Donc après je fais des montages. Et j'imprime sur du papier autocollant. Donc on a des petites Project Life. Donc ça c'est du Heidi Swab, ça c'est du Casa. Là c'est un petit paperclip macaron que j'ai fait avec une collection Project Life American Craft, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà. Donc ça pareil, c'est la même collection que celui-ci. Ça c'est les petits stickers que j'avais commandé sur AliExpress. Ça c'est du fait maison, le papier de chez Crête Paper, les petites choses de chez Casa. Ça c'est fait maison, là c'est une Project Life et j'ai rajouté les petits yeux avec les cils fermés. Ça c'est Casa, ça c'est du Heidi Swap, du Casa, du Crête Paper, petits stickers de chez Casa. Pareil, Heidi Swap, ça c'est des choses de chez American Craft. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation de mon Philofax Original Nude vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!